Bonne année à tous! Je lève mon verre à la nouvelle année. Pépère, tu nous manques déjà? Oh, mais je suis certaine que son esprit est parmi nous. Bonsoir, ici Chantal Lacroix, productrice paranormale. Alors, ce soir, on cherche Pépère. Roger, viens ici. Alors, Pépère, es-tu là? Un coup oui, deux coups non. Il faut dire qu'il aime pas la fondue. Bonne année, Pépère. On va perdre Monsieur Savard. On le perd, là! Laissez-nous faire! Roger va lui demander de revenir. Alors, Monsieur Savard, voulez-vous revenir? Un coup oui, deux coups non. Je pense qu'il reviendra pas. Ça regarde pas bien. Les textes sont finis. Là, on peut plus reculer? Non. Moi, faut que je vous l'avoue, là, ça me stresse un peu. Hey, ça serait le fun, hein, quand même, de savoir ce que le monde va penser. Ben, pourquoi on demande pas à un des comédiens qui a fait un des meilleurs bye-bye, Olivier Guimond? Alors, Olivier, est-ce que les gens vont aimer le bye-bye? Un coup oui, deux coups non. Trois petits coups? Ouais, trois coups, généralement, c'est qu'on parle avec Johnny Farago. Ben voyons! Denis Coderre? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais Denis, sortez dans-dessus de la table, là. Non, attends un peu, Louis, il faut que je tweete. Le Bye Bye 2010 commence à l'instant. Petit bonhomme sourire. Oh. Oui, ce soir, nous allons dire ensemble bye-bye à toute une année qui nous en a fait voir de toutes les couleurs. Je pense que c'est une année qui nous a fait voir beaucoup de brun ou de brune. Je pense que cette année, on a appris qu'il n'y a rien de plus suspect que quelqu'un qui achète des enveloppes brunes. Ah non, c'est rendu mal vu d'acheter des enveloppes brunes. Moi, c'est rendu que je les achète en pharmacie. Puis pour pas que ça paraisse trop, quand j'arrive à la caisse, je m'achète un préparation H, des suppositoires puis de l'onguant à feu sauvage. L'année 2010 en politique, c'était exactement comme un réveillon. Hein? Il y a le fatigant qui veut jamais partir. Oui, ça, c'est Jean Charest. Oui. Là, ma tante qui arrête pas de jaser, même si personne l'écoute. Pauline Marois. Le mononcle intello qui te demande toujours comment ça va dans tes études. Oui, ça, c'est Michael Ignatieff. Le grand-père qui sourit tout le temps, même s'il comprend jamais ce qui se passe. Gérald Tremblay. Puis, finalement, le beau-frère qui veut toujours t'emprunter de l'argent pour ses projets qui vont nulle part. Régis Labeaume. Pour ce qui est de l'intimidation sur les chantiers de construction, on a rencontré des gens, puis personne n'avait rien à dire là-dessus, vraiment. Non, mais ça, c'est fou comment les gens sont pas jasants quand ils ont la mâchoire brochée. C'est cool, hein? Côté dossier qui avance pas, est-ce qu'on a des blagues sur le CHUM cette année? Oui, 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 mais on les garde pour le bye-bye 2020 avec les gags de dépassement de coûts de l'échangeur turco. Oh, en 2010, la saga Lola et Eric a connu un nouveau dénouement. Le commentaire de notre spécialiste en union dans le péché, Hélène Bourgeois-Leclerc. Lola a gagné en appel et les conjointes de fait pourraient avoir une pension. Les hommes ne voulaient déjà pas se marier. Ben là, ils voudront même plus sortir avec nous autres. Merci, Lola! Donc, les conjoints avec le plus faible revenu pour avoir une pension. All right! Chaque semaine, au Québec, deux villes échangent leur maire. Cette semaine, un maire qui sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est qu'on le laisse faire ce qu'il veut. Le maire Labeaume. Et le maire d'une ville qui n'a subi aucune guerre, aucun séisme majeur, mais qui est quand même sans cesse en reconstruction, le maire Gérald Tremblay. Chacun doit quitter sa ville pour gérer celle de l'autre. Bienvenue à On a échangé nos maires. À 9h du matin, Gérald Tremblay quitte pour la vieille capitale. Oh, comment est-ce que je vais faire pour me rendre à Québec? On fournit un chauffeur avec une GPS dans l'auto. Ah, comment est-ce que je vais faire pour me rendre jusqu'à l'auto? Non, on fournit une GPS pour se rendre à l'auto. Oh! M'en va à Montréal, moi, calique!
Un peu plus tard, la tempête Labeaume s'amène sur Montréal. Bienvenue à Montréal, monsieur Labeaume! Ben oui, c'est ça. T'es occupé, moi. Qu'est-ce que c'est ça? Calic! Le maître Tremblay, il arrange tout avec des cônes oranges. Puis comment ça, me rendre jusqu'au bureau, là? Ah, ben suivez-moi, il y a une détour, on va passer par la fenêtre. Midi, chacun des maires fait la rencontre de son équipe. Eh bien, il a tombé des miroirs. Hein? Ah, ça, en fait, le maire Labeaume appelle ça des conseillers. Ah, pas oui, pas oui. Pendant ce temps à Montréal... Qu'est-ce que c'est ça, ce coin-là? Oh, OK. Ici, on va prendre un autre chemin parce que la rue est barrée. Oh, une sens unique encore. Un autre sens unique encore. Ici, il y a une parade. Comme pour ça, les parades. Oups, une bixi. C'est quoi ça, une bixi, Karik? Oh, ça, une bixi, c'est du monde qui, en plus d'être sur une vélo de marde, ils sont pas habitués d'en faire. Hein? Va t'acheter un char, toi, Karik! Pendant ce temps, le maire Tremblay opte pour sa stratégie coutumière. Bon, hein, là, je suis tanné de prendre des décisions. Hein? Alors, je vais faire comme à Montréal. Hein? Je ferme les yeux et par-delà, tout se règle tout seul. Hein? Bon, OK. Alors qu'à Montréal... Qu'est-ce qu'ils font à Montréal, là? C'est que tu peux faire de l'exercice, hein? Marcher en dessous de l'échangeur de Turcot, là, ça garde en forme! Trouvez-moi du Red Bull, Karik! Devant l'ampleur des défis, les maires retournent à la maison. Salut les incompétents! Oh, monsieur le maire! On s'est tellement ennuyé de vous, là! Vas-y, donc. Ah. Merci du cœur! Sinon, je t'en calic une dans le front! L'émission où je passe une heure à vous démontrer à quel point Céline et moi sommes de grandes amies. Salut, Céline! Mon amour, qu'est-ce qu'elle fait ici, elle? En fait, les docteurs ont dit qu'il fallait te provoquer. Alors, j'ai pensé à elle. Je suis même pas enceinte, pas me donne des contractions. Céline, tu seras heureuse d'apprendre qu'on a trois journalistes en Floride pour savoir à combien de centimètres t'es dilatée! Dilatée? Mais je sais pas peur! Hey, c'est-tu possible d'y faire une épidurale, mais sur la langue? Hey, c'est beau ici, hein? Ça va te faire un bel accouchement! C'est très, très beau. La mise en scène de l'accouchement a été confiée à Franco Dragon. Et lors de l'expulsion, on a David Foster qui va faire la trame sonore. Allô, David! Hey, René, ça va te faire beaucoup d'enfants, ça? C'est vrai. Mais moi, je me dis que c'est à force d'en faire qu'on devient bon, tu sais. Regarde chez les Dion, ça en a pris 14 avant d'en avoir une qui a du sens. Bon, là, le moment que vous attendiez tous, j'ouvre la valise! Comment je te dirais bien ça, donc? Ah, peux-tu des colisseurs? Pas vraiment, parce que je lui ai vendu l'exclusivité de ton amitié pour 3 ans. Hein? Non, l'important, là, c'est que t'accouches, parce que tes répétitions commencent demain matin. Demain? Mais mon amour, je suis pas prête! Bon, fait que pousse, Céline! Pousse! 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 Pousse!
Là, là, si tu déchires, inquiète-toi pas. Jean-Héroldi va te recoudre demain matin à Salut Bonjour! Vous êtes des malades! Ah, oh, puis fais attention à ton placenta, par exemple, là, parce que demain soir, il est en entrevue à Denis Lévesque! Claudette, fais quelque chose! On dit placenta ou on dit placenta? Oh, mon ben! Viens-t'en, là. Céline, elle t'a fait remplir un beau gros bassin olympique avec des boules magiques dans sa villa. On dit villa ou on dit villa? Oh, mon mère, tu vas pas recommencer avec ça? Ben, on dit avec ça ou avec ça? On s'en va. On s'en va ou on s'en va? OK, mon mère, tais-toi. Tais-toi ou tais-toi? Maman, sortez-la de là, hein? Ben oui, mais sortez là ou sortez là? Je peux-tu couper son cordon avec mes novodans? Restez des nôtres parce que dès que les bébés sont sortis, on vous promet une visite exclusive de l'utérus de Céline. Mon amour, j'ai assez hâte que Pécopé la mette en lockout. Bon, là, c'est le moment là, où je fais une niaiserie qui a pas rapport pour prouver que, hey, que je suis donc folle. Je le sais. Pitche-toi par la fenêtre, championne. Hey, on est tellement complices, Céline, là. Bonne idée. Yeah! Hey, elle revient. Écoute donc, es-tu faite en caoutchouc? Maybe. Je suis encore là! On ne dit pas que celle qui a retrouvé l'agenda de Marc Bellemare, c'est sa chinoise. Sa chinoise. Noise. La chinoise, elle trouve tout. Après l'immense succès du film Le Dîner de cons et sa version scrappée par les Américains Dinner for Schmucks, voici l'adaptation canadienne, Le Dîner de cons version G8, mettant en vedette Stephen Harper et Nicolas Sarkozy. Bonjour, roi et reine de ce monde. Laissez-moi vous présenter notre invité du dîner d'aujourd'hui, Monsieur Stephen Harper, Premier ministre du Canada. Bonjour, bonjour. Voudrez-vous un verre de notre richesse nationale, Tim Hortons, fait à base de la bonne eau bitumineuse de l'Alberta? D'ailleurs, j'aimerais régler tous les problèmes de la famine en Afrique en ouvrant des Tim Hortons sur chaque coin de la rue. J'ai pissé dans mes culottes! Vous pensiez que j'étais con? Attendez voir, ce mec, c'est un champion du monde. Stephen, explique à nos amis qui dominent le monde ta politique énergétique. Ah, je crois qu'il faut consommer plus de la pétrole. Voici d'ailleurs des photos de mon dernier voyage dans le golfe de la Mexique. J'ai fait de la baignade, nourri des animaux bizarres, je suis allé à la plage. Il a pas une belle gueule de champion! Alors, je propose d'abolir les droits à l'avortement. Harper, va faire un goulot! Ça paraît que t'as jamais une maîtresse! Ah, que cosa? Je t'ai pas ri autant depuis que Carla m'a fait écouter son dernier album! Stephen, c'est important pour un peuple d'investir dans sa culture. Don't start me on that one. I don't give a shit. Les artistes, c'est mauvais. La musique, c'est démon. Les livres, caca. Pourquoi avoir une culture quand les États-Unis ont une culture qu'on peut copier? Mes amis italiens m'avaient dit que la main de Montréal est à con, mais lui, il est beau battable. Mais où est-ce qu'il est, Harper? Oh, il pisse! Ce con pisse durant les photos! Trop de café, Tim Morons, guy! Tu vas mettre en onde ce que je veux. Je veux qu'on présente seulement ce qui me plaît.
Moi je fais tout ce que ma blonde veut, puis elle me gâte après. Pour moi, Christelle, c'est vraiment une jeune femme très impressionnante, hein. Par avec ça, elle me désire, ce qui est assez impressionnant. Ce qui m'a inspiré de sortir avec Claude, genre, c'est quand j'ai vu Chloé Sainte-Marie. Tu sais, je me suis dit, moi aussi, j'aimerais ça être une aidante naturelle, tu sais, genre. Non, l'émission, ça me fait pas peur. Parce que j'ai rien à perdre, tu sais. Surtout pas de la crédibilité, tu sais. Pépé, elle joue la toune. Je l'avais en premier. Je t'aime plus. Ben, moi non plus, je t'aime plus. Mon père est plus fort que le tien. Le mien est plus jeune que le tien. Pépé, elle joue la toune. Claude, je vais faire des cressants pittsburghiers. Mettre sur plaque au four à 350. Ah! C'est prêt! Oh, oh! Mais c'est pas grave parce que Claude, genre, il dit que c'est super bébé Fafa de faire à manger avec le montage, genre, tu sais. Ils sont beaux. Pépé, elle joue la toune. Là, j'ai déjà fait un album avec des duos. Je l'ai fait avec une chorale. Faut que je trouve une autre façon de siphonner de l'argent au bon peuple en recyclant mes vieux hits, tu sais. Fait que bientôt, on va faire les petits écureuils qui chantent du bois. Wow! Après, on va faire les chiens qui chantent du bois. Des petits pitoutous! Wow! Puis finalement, j'ai reçu une offre d'une gang de vieux qui ont des problèmes de flatulence, là! Et après ça, on enchaîne avec l'album de Crystal! Si Dieu existe, objection! Objection vous-même! Et enfin, j'aimerais déposer cet agenda qui contient des références irréfutables à ma rencontre avec le premier ministre. Agenda qui a été retrouvé par ma femme dans les poches de mon pantalon qui était au lavage depuis 8 ans. Objection! On va faire expertiser l'encre de votre agenda. On va sniffer la colle de vos post-it. Puis peu importe le résultat, on va vous faire mettre à genoux puis on va vous faire dire pardon, mon oncle, en vous twistant un mamelon! Mais oui, mais moi, je ne suis qu'une pauvre victime du système érigé par les vilains. Je suis tellement fâché que ça m'a pris 7 ans avant d'en parler. Ça va faire, le ton agressif? Monsieur le commissaire, je pense qu'il serait judicieux de faire passer le témoin sous la douche froide, suivi d'une session d'électrochoc. Ça me paraît insensé. Non, non, mais les gars, on se connaît, hein? Oui, les chums. Wow! 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 J'inviterai maintenant le témoin Jean Charest à s'avancer. Yo, man. Alors, mon Mickey Boy, on se voit toujours à notre soirée de poker de vendredi soir. Je te prierai de m'appeler Maître Bastarache durant la commission. Ah, oh, oui, c'est vrai. J'oubliais, on ne se connaît pas. Monsieur Charest? On voudrait surtout pas vous harceler, puis on sait que votre temps est précieux. Alors, je vous propose de dire ce qui vous tente. Bon. Tout d'abord, je trouve ça un petit peu contraignant, tout cela, là. Mais je commencerai par dire que oui, j'ai toujours bel et bien les deux mains sur le volant. Bon, malheureusement, j'ai 4 roues dans la garnotte. Secondo, les gens en veulent les commissions d'enquête. Je vais leur en donner, moi. Puisque, comme le dit le dicton, une commission d'enquête bidon par jour distrait les gens pendant qu'on les fourre. Bravo! Calme-toi, Basta, calme-toi. Excusez.
Je vous rappelle qu'il y a une vérité et deux mensonges. Voici les affirmations. Je ferai toute la lumière. Je n'en reviens même pas d'être encore au pouvoir. Et j'excelle avec un fer plat. On passe au vote. Jean, ta vérité? La vérité, c'est que j'en reviens toujours pas d'être au pouvoir. OK, calmez-vous. J'aimerais maintenant vous présenter mon nouveau chef de cabinet, M. Mesmer. Allô. Salut. Votre tête est lourde et pesante. Et au compte de trois, vous dormirez. Un, deux, trois. J'aurais une demande spéciale pour toi, là. Est-ce que ce serait possible de faire faire la poule à Bastou? Maintenant, votre réveil. Vous n'aurez aucun souvenir. Et vous serez convaincu que la commission a été utile et qu'on ne gaspille pas vos impôts. Un, deux, trois. Réveillez-vous. Pas certain que ça a fonctionné, hein? Il y a des limites à ce que je peux faire gober au monde. Connaissez pas Fava, oh là là, y arrive les poches pleines. Fava, oh là là, Charelle, arrête pas. Fava, oh là là, c'est l'argent qui mène. Tu veux un travail dans le gouvernement, mais pour te vendre, tu es en manque d'arguments. Va voir Fava, Grèce, Franco Fava. Tu veux être juge depuis déjà un moment, mais toi tu mets avec quelqu'un d'influent. Va voir Fava, Grèce, Franco Fava. Un poste à l'hydro, SAQ ou la loto, y a une façon. Ils prennent notre cash pour payer Bastarache, puis ils nous bourrent et on les reprend pour 4 ans. Y'a quelqu'un qui marche. Charret, oh là là, de plus en plus bas, on est patata, arrête ton blabla. Monsieur Hayward, un de nos puits dans le golfe du Mexique a une fuite énorme. L'écosystème va être détruit pour des décennies. 3 672 000. Vous ne comprenez pas. La pêche est devenue impossible. Les plages sont couvertes de mazout. Oh! Qu'est-ce qu'on fait? Annuler mes vacances en Louisiane. Je vais plutôt aller sur la Côte d'Azur. C'est beau, la Côte d'Azur. Tout baigne dans le mazout. Je m'en foutu. Oh, mais c'est ici qu'on creuse. On devrait peut-être demander la permission aux gens qui habitent ici avant, là. Tu demandes sa permission à la vache, toi, avant de manger du steak? Ah oui! Hein? Ah! On va en faire de l'argent. On va en faire du gros cachet de gaz de chasse. Qu'est-ce que tu penses que tu fais là, toi, tabarnak? Bonjour, André Caillé. Regarde, je sais t'es qui, là. Je fais pas rien que me crasser sur Internet. Je lis les nouvelles aussi. On soupçonne qu'il se trouve une grande quantité de gaz de chasse en dessous de votre terrain. Ah ben, drôle de coïncidence, hein? Depuis que t'es sur mon terrain, moi aussi, j'en ai des gaz. On va juste procéder à un petit dynamitage, une étape d'exploration toute simple. Ah oui, bien, parlant de simple, je vais te simplifier ça, moi. Tu creuses un trou sur mon terrain, je t'enterre dedans. Ça veut pas dire qu'on va exploiter le gisement, ça.
bord. Ah oui? J'ai un cave, moi, hein? Ça va te tenter, après avoir dépensé des millions en frais d'exploration, de remballer ton stock puis de t'en tourner chez vous? Moratoire, tu le sais-tu? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, caillé, ton jugement, tu restes pris dans le verglas, calice! Je pense que vous manquez d'informations. Est-ce que vous êtes venu à une de nos séances? Regarde, je veux pas que tu m'informes. Je veux que tu décrisses. Pensez aux retombées économiques. Ouais, ben moi, quand j'y pense, c'est toi pour me demander où c'est qu'il retombe le cash, parce qu'on dirait que je suis jamais en dessous, calice. Ça va créer plein d'emplois, ça, le gaz de schiste. Ben oui, ça va créer de l'emploi, hein? À commencer par la job du gars qui va venir nous exproprier, les psychiatres qui vont prescrire des antidépresseurs aux expropriés, puis les pompiers qui vont venir trois fois par semaine chez nous pour éteindre mon eau parce qu'elle vient de pogner en feu. D'ailleurs, me demande bien avec quoi qu'ils vont l'éteindre, la crise d'eau, hein? Mais si juste la création d'emplois pour te rendre heureux, là, laisse-moi juste deux swings, là. Puis on va donner de la job à toute une équipe de chirurgiens qui vont te reconstruire la face. Oh, non, non, non! L'année 2010, c'est également celle des livres de recettes. Hein? Tout le monde a un livre de recettes maintenant. Louis-François Marcotte, Chuck Hughes, Antoine Sicotte, Jessica Barker et Raphaël Germain, il y en a plein. Je pense que Claude Poirier est sur le bord de sortir son livre de meilleures recettes de cocktail monotone. Disquette. Ah non, mais vous oubliez le meilleur. C'est ma biographie gourmande de Joël Legendre. Moi, je veux pas être plate, mais toi, c'est des recettes végétariennes. Ouais. Ça, c'est comme recevoir des conseils de décoration d'un daltonien. Toujours dans le domaine des végétariens pas branchés. En novembre dernier, Joël Legendre faisait volte-face en accordant une entrevue au Journal de Montréal qu'il avait pourtant fortement critiqué quelques jours plus tôt. Oui, on avait dit qu'on faisait plus ce sketch-là. Tu sais, quand je l'ai lu, j'ai vraiment trouvé que c'était un torchon, ton texte. Ben, écoute, non, non, puis à part de ça, là, vous m'aviez promis que vous me niaiseriez pas. Fait que ça, ça marche pas. Mais, y a pas rien que toi qui a le droit de changer d'idée, Joël. Il a dit qu'il y avait de la peine avant de virer son capot de bord. Mais dans le fond, il y a eu la chienne de se faire borer. Ça pour vendre des recettes quétaines de beaux végétariens. Joël, il s'appelle Joël. Du lundi au mardi, c'est plus comme le mercredi. Il comprend Joël. Joël, il s'appelle Joël. Du dimanche au lundi, c'est pas long. Les productions Presse le Citron présente le 28e et dernier chapitre de la série Lancez Compte de Régent Tremblay, rebaptisé Lancez Crampe, l'acharnement. Ah ouais, Lambert, lance-la ta poche, mets tout ton poids. Ah! Le dos vient de me barrer. Sacrement, le chat. Go, go, go. Lancez Crampe, c'est le réchauffé du réchauffé. Comme ça, je suis un écœurant, un chien sale, je porte des couches, Lambert, dors-moi pas d'en face. Je dormais pas, c'était juste un petit coma diabétique. Nounou, nounou, il y a un dentier que je suis plus capable d'entendre ici, c'est le 13, enlève-y. Il n'y en aura pas de besoin en soir. C'est du chien, ça. Lancez Crampe, c'est aussi des scènes de cul gratuites. Oh, Natacha. Oh, Natacha, sacrement tu l'as. Ah, sacrement. Viens voir mon ongle, hein. Margognon, je t'ai pogné encore avec une plus jeune. Sacrement, Suzy. Mais... Caressez-vous donc à la place. C'est aussi Suzy Lambert qui crie pour rien. Je crie pour rien! Et le drame est au rendez-vous. Je sais pas si on peut gagner ce match-là.
Ah ouais, Jacques Mercier. Mon clou, c'est quoi avoir du courage jusqu'au bout? Je peux pas, j'ai une flébite. Ah ouais, t'es capable! Sacrement, on manque la poule aux œufs d'or. La poule! Oh non! Et une grande finale qu'on n'avait pas vu venir pantoute. Vas-y, Pierre, c'est pour le championnat! Attends, attends, Pierre. Marc est parti cette nuit. Il est parti où? Pour le grand voyage. On n'a même pas le droit de sortir de l'hospice. Il est mort, Épin. Mais avant de partir, il m'a donné ça pour toi. Sa poche d'or! Il voulait que ça te revienne. Ce n'est pas à personne, mais j'ai mis les cendres de Marc dedans. Wesh! On a gagné le championnat! Ouais! Oui, lance-écran 28. Le dernier chapitre. C'est promis, juré, craché. Et oui, Anna. Michou! Michou, on attend-tu la visite? Hein? Pourtant, moi, j'ai plus d'amis, là. Hein? Nous t'avons assez subi. Déménage donc la capitale. Oh. Plus capable de toutes tes mentries. Déménage donc la capitale. Tu es prêt à nous baiser sous le baillon. Tu fais voter les soins de santé. Les faire payer. Les garderies, on demande à toi. En tout cas, je suis assez content de ma Totoya. Je me suis promené toute la fin de semaine. Hein? Ouais. Ah. Un rouge, Paul. Ah. Paul, Paul est rouge. Oui, je le sais, j'ai le pied au fond, mais ça freine pas. Paul! Ça freine pas! Paul! Serge! Paul! Ça freine pas! Paul! Totoya. Stressez plus, breakez moins. Parmi nous en 2010, mais appartiennent à une autre époque. Ils sont sortis tout droit de 1964. Le monde autour d'eux a bien changé, mais eux sont restés avec les mêmes vieilles idées. Voici Mgr Ouellet dans Les Arriérés. Jésus-Marie-Joseph! Monseigneur, l'église n'existe plus. Elle semble abriter une tour à condo. Il y avait plus de monde quand la messe était en latin, mais quand les gens commencent à comprendre ce qu'on disait, ils se sont mis à s'en aller. Regardez, nous sommes en 2010. Mais c'est l'apocalypse. Une femme chef d'un parti politique. Oh, brillant. Le monde est à la dérive. À moi, une femme au pouvoir, je trouve ça plutôt bien. Voyons, ma sœur, l'église est formelle. Il faut montrer du respect envers la femme. Mais pas trop. Ou comme le formule Benoît XVI, c'est toutes des nuisances, sauf Marie. Mais monseigneur... À genoux. Mais je... Reste! Bonne sœur, bonne sœur. Oh! Regardez, monseigneur, il existe encore une personne avec un peu de sens dans ce pays. Il est contre l'avortement, contre l'avancement de la femme et pour les armes à feu, c'est le Messie. Mieux que ça, c'est le premier ministre. Les électeurs ont encore du jugement. Allons vite convertir ce qui reste de païens. Les arriérés. Oh, des hommes qui se touchent entre eux, c'est formellement interdit par le bon Dieu, ça. Arrière, Belzébuth! Satan sort de ce corps! Pourtant, lorsque je touche les petites clochettes de la butérion... Non, ça, c'est pas pareil, ça! T'es pas encore un homme, fait que c'est pas encore un péché! Suivez-moi. Les arriérés. Nous nous trouvions dans l'allée des produits du démon. Oh,
Il s'agit d'un contraceptif qui empêche le sein crème de l'homme d'enfanter le sexe faible, mais... agissons de façon chrétienne, mes enfants, à vos épingles à coche! Nous sauvons des vies! Nous sommes des héros! Grâce à nous, des enfants vivront pour l'éternité! Les arriérés, dans un diocèse près de chez vous. Jour 47. Je suis fatigué. Je veux revoir ma femme. Moi, je suis fatigué. On est dans une mine, il y a de la poussière partout. Heureusement, mon Swiffer est parfait pour les petits espaces. Regardez-le contourner cette roche. Oh. C'était pas le plus beau jour de votre vie, ça? Et grâce à son postillonneux, il lèche le plancher avec facilité. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, salivant? Ah, je le sais, c'est mon Swiffer qui vous excite. Une porte-parole Swiffer, ça bouche un trou. 69 jours dans une mine à 700 mètres de profondeur, c'est long. Mais aussi curieux que cela puisse paraître, les mineurs chiliens s'étaient développé une routine à l'intérieur de la mine de sorte que plusieurs d'entre eux ne tenaient pas à sortir. Voici ce qu'il a fallu faire pour les faire remonter à la surface. Joëv? Oui, c'est moi, Joëv. Puis là, je vais passer une heure à vous expliquer que mon sourire a fait ses dents. Ben, ça vient de mon gène du bonheur. Bon, toi, French-moi, puis gère-moi. Bonsoir. Bienvenue. On prend toujours en arrière-train. Cette semaine, on accueille la seule femme au Québec qui porte du 38D. De Babine, Anne-Marie Lessic. Anne-Marie Lessic, bonsoir. Vous êtes fou! Mais je suis très intelligente, vous savez, je suis une femme d'affaires. Anne-Marie Lessic, cette année, vous avez accepté finalement de faire le deuil de votre dignité. Est-ce que ça donne le goût de pleurer? Même si je voulais, mes larmes sont toutes jamais dans le collagène. La seule eau saline qui me reste, c'est dans les seins. Parlez-moi de votre livre Cochon. Eh bien, c'est pas du cul. C'est des photos érotiques où je me fais plaisir, par exemple, avec une banane. Et c'est quoi la différence entre l'érotisme et le cul? La grosseur de la banane. Je suis très intelligente, vous savez, je suis une femme d'affaires. Mais là, arrêtez toujours me regarder les seins. Non, inquiétez-vous pas, faut pas se fier à mes yeux pour savoir où je regarde. On me dit que vous frisez vous-même vos lèvres au fer à friser. Pas toujours, des fois je mets des rouleaux. Vous lancez un nouveau canal spécialisé? Oui, ça s'appelle Vanessa et c'est la première chaîne érotique qui va encourager les productions québécoises. Parce que vous savez, au Québec, on a la très belle sodomie et la fellation, c'est une ressource naturelle qu'on devrait exporter, hein? Vous savez, je suis très intelligente. Qu'est-ce que je suis déjà? Vous êtes une femme d'affaires. Il va seulement y avoir des films de sexe. Mais non! Vanessa va proposer des émissions érotiques à mon image, c'est-à-dire qu'elles sont très excitantes quand il n'y a pas de son. Voici la programmation. Alors, la journée commence avec le talk show matinal de Billy le matin. Ce sera suivi de l'excitant des kiwis et des concombres avec pénis ready et bounoir ouf. Ensuite, en soirée, il y aura l'émission de rénovation des cortes à vulve. Et puis, ce sera suivi du talk show Un God Michel le soir. Notez qu'on va présenter en exclusivité les reprises de l'émission de 0 à 1000, qui n'est pas érotique, mais qui reste tout de même une émission de cul. Est-ce que c'est là le moment où je voudrais pleurer? Vous pouvez y aller. Non!
Saint-Denis Rachel, s'il te plaît. Ah ben, ça parle au roi de carreau. Toi, t'es le gars du poker, toi, c'est. Ouais, c'est moi, ça. Ah! Je savais! Hey, c'est-tu ce que j'aime de toi, moi? Ouais, quoi? T'es allé battre les assassins américains sales dans le face. Chose de 15, pis pas propre à rien, là. Hein, gogo, dans kangourou, m'a vous crissé une volée pareille. Merci. T'as fait 9 millions, toi. Ça, là, c'est pareil comme dire, t'es millionnaire. 9 fois en ligne. Ouais, ouais, c'est pas mal ça. Non, je pense que tu réalises pas, là. Millionnaire une fois, millionnaire deux fois, millionnaire trois fois, il m'en reste encore 6, là. Ben, pas tant que ça, le gouvernement va m'en prendre quasiment à moitié. Yes! Pour te faire payer l'échangeur turquoise, toi, tu seul, les assis. Mais ça, le gouvernement, là, ça, il panique pas, puis ça, il dérange pas, là, quand il y a des spéciaux à SAQ, ou ben quand ils veulent te vendre des assis de tickets de l'auto-bingo à marde. Hein, là, c'est rendu qu'il y a des robineux qui sont obligés de prendre une deuxième hypothèque sur le boîte de carton pour s'acheter des tickets de l'auto-bingo. Ouais, je pense que je vais sortir ici, moi. Mais non, mais attends, là, millionnaire 4 fois, millionnaire 5 fois, tu comprends pas, là. Moi, être millionnaire comme toi, là, c'est, tu sais quoi que je ferais, là, moi, mon gros trip, là, dans la vie, là, j'irais au guichet automatique, ici, puis je sortirais tout mon cash à coût de 20$, ici. Là, là, le monde y attendrait en ligne pendant 3 jours, ici. Qui mange de la merde, ici? Moi, je retire mon argent. Ici. Ouais, ben, bonne journée, ah, là. Attends, une minute, toi. Toi, là, ça a l'air que t'es capable de dire les cartes du gars juste à y checker en face. Ouais, pas tout le temps, mais des fois, là. OK, mais mettons, on fait semblant, là, j'ai 2 cartes, là. C'est quoi mes cartes, tu penses, là? Je sais pas, une paire d'os. Non, c'est un 4 de cœur pis un 6 de trèfle. Ouais. Il m'a même pas payé, lui. Au centre d'aide, s'il vous plaît. Ben oui, c'est toi. Ben oui, c'est toi dans mon taxi. Ben viens pas, là. Ben voyons, c'est toi dans mon taxi. Moi, je suis là, je fais rien, j'écoute la radio, j'attends à rentrer dans mon taxi, c'est toi. Ben oui, c'est moi. Joanie Rochette, c'est celle qui a gagné une médaille d'or aux Olympiques, c'est. Non, en fait, c'est la médaille de bronze. Qui est modeste en plus, c'est. Hey, on s'assinera pas pour une astuce. De couleur de métal, là, ma Jojo! Hein? Dérange pas, je t'appelle Jojo? Non, c'est correct. Alors, parfait. Je savais pas que vous étiez fan de patinage artistique. Moi? J'adore le patinage à fantaisie. Non, artistique. Non, de fantaisie. Hey, quand tu te fais juger pour ton maquillage et ta robe à paillettes pour un sport, là, ça, c'est de la fantaisie, là. Quand c'est rendu que Lise Wattier peut te faire gagner des points dans un sport, je m'excuse, c'est du patinage de fantaisie, OK? Oui, ma petite mausette, là, menée, là. T'as pas été correct, là, hein? Tu m'as donné des frissons, là, toi. Et quasiment broyé. J'ai dit quasiment, là. Oh, pis de la merde, j'ai broyé. Si tu m'as fait broyer, j'ai broyé à toi, pis Kangaroo a chanté. Mais Garou, c'est parce qu'il s'entendait pas. Ben chanceux. Moi non plus, j'aurais pas voulu l'entendre, c'est. Ça fait qu'on est rendu, ma belle. Mais parfait, combien je vous dois? Argent! Hey! Au nombre de fois que Stephen Harper nous a fait honte à l'international, c'est. Toi, tu nous as représenté comme une championne. Fait que merci, Joanie, pis bonne année. Ben merci. Bonne année, tout le monde. De tourner la page sur 2010 et de se souhaiter santé, prospérité, bonheur et paix. Oui. Pour nous amener vers 2011, se joindront à nous des personnalités qui, chacune à leur façon, ont marqué l'année, à commencer par celui qui a récemment pris sa retraite définitive du hockey, le démon blond, M. Guy Lafleur. Alors, tous ensemble, on y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, thank you.
quel casseux de party! Oh. Oui! Bonne année, tout le monde! Messieurs, pour le G20 cette année, j'avais pensé faire ça sur le bord d'un lac. Ben là, c'est parce qu'il y a pas de lac au centre-ville de Toronto. Puis en plus, sur le bord d'un lac, il y a plein de bébites. Ah ouais? Je sais. On va en creuser un. À Toronto, en dedans. Oui! Je te débloque 2 millions. Oh! Faut que je m'achète des maillots. Innocent. Le gros bon sens, c'est pas donné à tout le monde. Cette année, parmi les nouvelles émissions vraiment intéressantes, là, je m'en voudrais de passer sous silence le succès retentissant de mon émission Les enfants de la télé. Oui, c'est vrai. Ça faisait vraiment du bien de te voir un petit peu à la télévision, hein, parce que dans le fond, après le verdict, puis les Gémeaux, puis juste avant le bye-bye, il y a comme eu un gros trou de 48 heures où t'étais pas en onde à Véro-Canada. La télé, cette émission qui, comme Sylvain Cossette, fait du cash en recyclant de la scrap. Accueillez celui que j'ai engagé pour avoir la main sur les photos, Antoine Bertrand. Antoine, bonsoir! Oh, 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 oh. Bonsoir, Véronique! Est-ce que c'est le moment où je te crouse amicalement avec des blagues très moyennes, savamment écrites par ton chum? Excusez-moi de rire pour rien, c'est juste que si je ris pas des jokes plates de Louis, je mange de la merde rendue à la maison. C'est l'heure d'accueillir les invités de ce soir. Kevin Parent, Pauline Marois et Clotaire Rapace. Est-ce que c'est là le moment où j'embrasse une invitée tout à fait gratuitement pour prouver à tout le Québec que j'ai cruellement manqué de sexe à l'adolescence? Non. C'est le moment de parler à quelqu'un qui, contrairement à ses nouvelles chansons, a des archives très intéressantes. Kevin Parent, bonsoir. Bonsoir, Véronique. Je veux juste dire que je suis très sympathique malgré mon air fugueur indifférent. Personnage savamment étudié de Gogéné dans 3, 2, 1... Ouh, je suis si fragile, un animal en cage. Kevin, en janvier dernier, tu as mangé de grandes claques sur la grande allée. On regarde ça. Acheté. Oh. Ah, hé, hey. Veux-tu te battre, mon acheté de tapette? Oui, fif, hein? T'as besoin d'une baffe, mon pit. Ça sent bien. Ça sera pas long. Ah! Ah, mais je fais mal dans le bas du fleuve. Maudit anglais, hein, Kevin? Pauline Marois, bonsoir. Souriante, ouverte, proche de la plèbe, oublie que t'es péteuse. Oui, Véronique. Madame Marois, tout le monde au Québec s'est demandé qu'est-ce que vous avez fait cette année. Eh bien non, sachez que Pauline Marois n'était pas perdue dans son grand manoir de 108 pièces, mais qu'elle nous préparait un album. Non, 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 vous n'avez pas cela. Dans mon dos, oh, dans mon dos de péquiste, dans mon dos de péquiste, il y a des dissidents. Oh, dans mon dos de péquiste, les belles-mères me trahissent, mais je m'accroche en souriant. Non, tout va très bien, je maintiens le cap. Ça me donne le goût de vous embrasser! Notre dernier invité de ce soir, un vieux Français qui devait redorer l'image de la vieille capitale, M. Clotaire Rapace, bonsoir! Bonsoir! C'est mon invention, ça! Bonsoir! M. Rapace, vous nous avez apporté des vidéos de vos archives personnelles. Oui, oui. Il s'agit de la journée où j'ai mis la Gaspésie sur la map-monde. Monsieur le maire, les gens ont fini de venir à percer en disant « Allons voir le rocher pas percé !» Parce que tous les touristes le disent. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial, ce rocher pas percé? Ben, parce qu'il n'est pas percé. C'est ridicule. Alors moi, Clotaire, GM, Chrysler, Coca-Cola, Rapace, je vais le percer.
Frenchie, hein, Pauline? Oh, voyons donc, hein? J'ai si peu reçu d'amour cette année. Eh bien, c'est tout pour les restants de la télé. Merci, Antoine! À la semaine prochaine où tu tenteras de donner l'herpès buccal à tous les membres du Beauté de l'IDEA. Et pour la portion variété de l'émission, nous avons fait appel au chanteur Marc Hervieux. Samina mina eh eh waka waka eh eh samina mina sankalewa anawa a a samina mina eh eh waka waka eh eh samina mina sankalewa this time for Africa. Les critiques l'attendaient et l'aimaient déjà avant de l'avoir vu. Voici le nouveau chef-d'œuvre de Xavier Dolan. Je sais pas, l'amour c'est tellement éphémère et fugace, dans l'inhérence de la vie, il faut de la pugnacité. T'es bon, Dolan. Un film réalisé par Xavier Dolan. OK, dans 3, 2, 1. Merde, c'est cliché, 3, 2, 1. Ça manque de pugnacité. Je me casse les nuages. Mettant en vedette, Xavier Dolan. L'amour, c'est tellement éphémère et congruent. Et Xavier Dolan. C'est cliché. Des costumes signés, Xavier Dolan. Ah, j'en ai marre des conventions, c'est... C'est laid, c'est de la merde! Vous allez jouer tout nu et montrer votre pugnacité! Un film écrit par Xavier Dolan. Ça va être cool, ton film? Les films, a priori, c'est tellement éphémère et puéril. Je suis qu'un exégète, moi, pour la plèbe paganiste. Hein? On dit « en ». Sur du papier fabriqué par Xavier Dolan. T'es hot, Dolan. Avec la narration de Xavier Dolan. Dans un monde éphémère et réminiscent. Sur une musique de Xavier Dolan. Et une coiffure de Martin Deschamps. Il m'a demandé plus de pugnacité. J'ai fait ce que j'ai pu. Calisse que t'es bon, Martin. Yeah! Xavier Dolan. Une case horaire la semaine. Ce soir, j'ai pas fini. Nos invités cette semaine, les Américains ont Brangelina avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Ici, nous avons la version Tigre géant avec Panique, Patrick Huard et Annick Jean. Panique, bonsoir. Ah, mon amour d'amour, je t'aime d'amour. T'es belle, t'es hallucinante, tu sens bonne, t'es super sexy, t'es tatouée. Patrick? Quoi? Les critiques ont dit que Filière 13, c'était de la merde. Excuse-moi, mais tu sais, dans la vie, t'as Steven Spielberg, t'as Martin Scorsese pis t'as Patrick Huard. Mon beau pape d'amour que je capote dessus d'amour parce qu'il m'a fait découvrir l'amour amoureusement. Ah ouais, mais moi les affaires de critique, là, je m'en fous pas mal. Je savais même pas que Marc Cassivi a écrit que j'étais pas un vrai cinéaste dans la presse du 31 juillet. Ben oui, tu savais, mon amour, t'as tout décalissé la cuisine quand tu l'as su. Tu sais, quand tu l'as lu, c'était écrit « Filière 13, c'est digne de la fabrique à saucisses. » OK, Annick, c'est beau, là, c'est beau. Non, c'est toi qui es beau. C'est vrai, ça. Embrasse-moi mon gros viril qui m'a montré que j'avais un point G dans la gueule. La lumière devient rouge. La lumière devient rouge. Ça veut dire que notre fou du roi, qu'on a planté dans une TV pour pas avoir l'air de copier, tout le monde en parle, veut nous parler. C'est Guy Nantel. Guy Nantel, bonsoir. Hey, là, ça a l'air que François Legault veut se partir un parti politique. Ah, je suis pour ça, moi. Oui, c'est le premier premier ministre qui va nous mettre de l'argent dans les poches. Comment ça? Comme dans l'expression « passer Legault et réclamer 200 $ ». Jeu de mots politique, humour intelligent. OK. Mais c'est quoi le rapport? Ben, si vous comprenez pas, c'est parce que vous êtes pas assez intelligent. Je suis intelligent, moi. Je lis le journal, ma gang de tabarnouche. Patrick! Patrick! Mais... Mais toi! Moi, je pense que... Patrick! Toi, t'as eu, à travers les années, plus de blondes que de bracelets de cuir. Ça, là,
J'ai eu moins de blondes qu'il y a eu d'animatrices à deux filles le matin. Puis, OK, tu sais, je veux dire, il y a eu plus de blondes que j'ai de disques vendus. Ouais. C'est donc dire que... Mais ce que je voulais dire... Moi, je... Mais... Chut! Hey! Chut! Dans le fond, là... C'est tout, Panique. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Et revenez-nous la semaine prochaine, parce que la gossante à ma gauche et moi, on reçoit Stéphane Laporte, qui va vous rentrer dans la tête que la série Montréal-Québec, ben c'était bon! On déclare l'année officiellement commencée! J'ai surpayé, la saveur mexicaine du mois s'appelle Scott Gomez. Et pour un temps limité, vous pouvez l'obtenir pour la somme faramineuse de 7 millions. Oui, oui, 7 millions de dollars pour seulement 12 buts. Ça, c'est surpayé. 12 buts, 7 millions. Félicitations, Jacques, pour les deux dernières périodes. Selon vous, la victoire est due à quoi? Défensive. Détermination. Focus. Yeah. En général, la stabilité de notre alignement, soit les trios. Notre travail défensif était engagé. D'ici la fin de l'année, on va gagner. Ils nous permettent de gagner à chaque soir. Chaque soir. Nous rapporter des victoires. Des victoires. Va falloir avoir un sprint pour les matchs de la saison. Pour se retrousser les manches, avoir le pédale d'eau. Fond. Le coach canadien. Jean-Martin, le coach canadien. Jean-Martin, le coach canadien. Ah, oh, Jacques, t'es un vrai bout en train. Ouais. Pas bien loin, c'est... OK, bon. Bonsoir. Bienvenue au vrai bafouillateur. Cette année, parmi les grands moments du mourage, il y a eu celle de l'assassination du parrain. Non, je parle pas de Jean Charest, comme le dirait Gérard Hertel. Je parle bien de Nick Risotto et son décès qui l'a mené vers une mort qui a eu pour résultat de le tuer. Risotto est original de la Sicile. C'est qui? Personne ne sait ça. C'est comme ça, le milieu de la mafia. On sait pas tout. C'est la loi du silence des agneaux. Nick est plus âgé que son frère aîné Pic. Nick et Pic ont longtemps fait affaire ensemble et Pic est malheureusement décédé. En ballon. La question demeure, qui a tué Nick Risotto? Bon, après les coups de feu, là, il y a deux témoins qui auraient vu des individus prénommés Mario et Luigi fuir à toute vitesse. On voit des photos de robots. Ces deux petits malades-là, là, en salopette, faisaient du karting en continuant leur sauvage agression en lançant des carapaces de tortue au passant. C'est épouvantable, on rien pas, moi. Après la pause. Je vous prouve que le Canadien de Montréal est infiltré par la mafia via Mike Camaraderie et son acolyte Sam Boney. Ce serait lui qui snapshot des cocktails monotones des commerces italiens. Discatch, ta boîte, la vie, c'est de la mort. Nous sommes ici pour le mariage de Nicole et de Grégory. Oh! Oh, Grégory, go marching in! Oh, Grégory, go marching in! Yeah! Des demandes spéciales! Donne-moi un fa. Donne-moi un mi. C'est parti. Alléluia. La chorale. Alléluia. 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 Monsieur Charles, s'il vous plaît. Bon. Nous allons maintenant unir les destinées de Grégory et de Nicole. Pour le meilleur. Que le meilleur. Gagne. Vous pouvez continuer. Pour le pire, jusqu'à ce que la mort... C'est long! Dansez-vous! Nicole, acceptez-vous de prendre Grégory pour épouse? Oui, je le veux! Et vous, Grégory, acceptez-vous de prendre Nicole pour épouse? Oui, je le veux! Je vous déclare Grégory et femme. J'embrasse la mariée. Minute chérie, le photographe va nous prendre en photo. Cheese! Allons à la réception. Êtes-vous prêts?
On va devoir quitter pour notre nuit de noces. And I think of me. Shabada, c'est fait. Les débrouillards. J'ai le plaisir de vous annoncer que depuis les deux dernières secondes, Nicole est enceinte de 2 mois. Et parmi mes nombreux talents, je peux faire des échographies. Appelez-moi échographie-man. Oh, il te ressemble! Il y a juste un sourcil. Ouf, c'est long. La routine, pas capable d'aimer deux personnes. Tiens, bloque tes papiers de divorce. Adieu. Oh, Grégory, go marching in. Oh, Grégory, go marching in. C'est tout pour le Bye Bye 2010. Et bien sûr, on veut absolument remercier toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour vous livrer cette émission. Et en terminant, si vous avez des questions ou commentaires sur Bye Bye, vous pouvez aller sur le blog de Radio-Canada. Notre chef scripteur, Georges Saint-Pierre, est ouvert à toutes vos suggestions. Et à vous à la maison, on vous souhaite une bonne et heureuse année! Bonne année! Merci, tout le monde! Bonne année! Bon, là, je m'adresse au frère André. Faites qu'en 2011, ma pagette se repose. Mais n'hésitez pas à m'appeler sur ma boîte vocale quand il y a des prises d'otages au paradis. Disquette. Très frère, très, très frère, cher André. Un petit café pour la route? Il est con! Putain qu'il est con! Cher frère André, je trouve qu'on se ressemble beaucoup quand même. Vous êtes aux cieux et moi, je suis aux deux. Frère André, c'est rien pour te dire que si jamais t'as besoin de quelque chose, c'est ce qui est appelé. Cher Saint-Frère André, faites qu'en 2011, j'ai de la ténacité, de la pugnacité, de l'opiniâtreté, même de l'insubordination, que je sois facturé, fracturé, insoumis, régimbeur, indocile, séditieux et à la limite mutin. Et faites que je reçoive en cadeau de Noël le nouveau dictionnaire des mots compliqués 2011. Très cher frère André, I wish la paix dans le monde et la chanté pour mes enfants. Ah, wow, Céline, on souhaite succès à Vegas. La Maryland dans notre cause ne perdra pas tout seul. Tout le monde est New England.